Ouais, non, mais en fait, je suis un boulet. On a 5 heures de décalage, on a plus 6 là en ce moment. Donc en fait, il est 20 heures pour vous. On s'est pressé pour rien. Voilà. Je suis propriétaire d'une belle. Non, j'ai signé pour la Corvette là tout à l'heure. Salut, salut, salut. Une petite vidéo. Si c'est Grenoble. Une petite vidéo. Je sais pas, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Évidemment, moi, c'est mon dada, mais. Je sais pas si on la montrera. Si je la montrerai. Bisous au Havre. Bisous au Havre. Ouais, la Corvette, bah, c'est une chose, mais je suis pas sûr que tout le monde apprécie. As-tu fait la paix avec The Prep Dad? Non, je ne fais. Moi, je suis pas. J'ai rien contre lui. J'en ai plus pour son ami. Mais lui en lui-même, il ne me dérange pas. Je suis absolument contre ce qu'il dit. De là à lui faire la guerre, non. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. On va attendre un petit peu. On va attendre 5 minutes. Un jeune homme, oui. Il est jeune, je crois qu'il a 23 ans, tout comme ça. C'est fou d'avoir 23 ans et de penser tout savoir. Moi, j'en ai 31 et je sais que je sais rien. Ouais, Corvette, ça va. J'ai signé. C'est signé, je vais la chercher vendredi. Je trouve pas que le feed game. Alors, tu trouves pas que le feed game s'essouffle un peu? Qu'est-ce que tu englobes dans le feed game? Je pense que les gens du coup sont partis, ils se disent c'est à 21 h. Bonsoir. Et bonsoir, bonsoir. C'est pas pour me déplaire, mais ils ont disparu les Kenfit & Co. Aucune idée. Je sais pas, je ne suis pas tous ces gens-là. L'originalité des vidéos, le nombre de vidéos sorties, etc., etc. Ah bah il y a eu un boom du fitness. Maintenant, je pense qu'ils ont épuisé, c'est clair, le nombre de possibilités de vidéos. Ça c'est clair, je pense. Mis à part faire des feeds de training, c'est très très redondant. Et puis mis à part partager les trainings de chacun. Bah, si t'es pas IFBB Pro à haut niveau, on s'en fout un petit peu, je t'avoue. Tu me diras, là, on regarde Lorenzo, mais Lorenzo, il était gros, normalement, il sait des choses. La majorité des sujets ont été traités, ouais. Merci beaucoup, Logan. Ouais, je pense aussi que ton algo s'est affiné. Il n'y a pas d'eau. Si, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de la nutrition.
Nicolas, merci pour ton contenu, Pierre. Merci beaucoup. Est-ce que tu réfléchis à la conception de machine? Ce serait mon plus grand rêve, entre guillemets. C'est quoi sur le live ce soir? On regarde la vidéo de Lorenzo Baker. La conception de machine, c'est vraiment un truc qui me botte, mais il faut des fonds. Et j'ai absolument pas envie de copier ce qui s'est déjà fait. Donc, je ne peux pas collaborer avec une marque comme le fait Delavier. Je voudrais créer ça de A à Z. Non, je ne m'entraîne pas avec des élastiques, ni même des chaînes. Voilà, je mets des chaînes parfois sur. Enfin, c'est pas parfois. Je mets des chaînes sur mes dips, ouais. Toute façon, quand on a ta chaîne, on n'a plus besoin de consulter les autres. Si, il faut aller voir les autres, au contraire. Plus vous avez de d'avis, mieux c'est. Chacun a son expérience. C'est bon à prendre. Vous faites une synthèse de tout ça. De tout ça. Pourquoi Lorenzo a une balafre? Je sais pas s'il a une balafre. C'est bien, t'as compris qu'une américaine avec un V6, c'est un sacrilège. J'espère que tu roules en V8 pour me dire ça. Voilà. Est-ce que tu sais si c'est possible pour nous de faire nos propres machines pour un home gym assez facilement? Voilà, si t'es chaudronnier, oui, sinon non. Salut la Corvette. Salut Pierre, j'ai acheté ton e-book sur créer son un bon rappel de base et franchement pour le prix c'est cadeau, merci. Merci beaucoup. Lorsque je l'ai écrit, je pensais pas que ça allait autant marcher. Le V8 sur la Dodge, j'étais pas fou. En France, c'est cher le V8, ça consomme. Parce que tu crois que ça consomme pas ici? Oui, mais le prix. Oui, c'est sûr. Je te l'accorde, le prix du litre est pas le même. J'applique les données des steps depuis une semaine, j'ai perdu 9 kg de gras et gagné. Oh, arrêtez de troller! Alors, petit disclaimer, parce que je vous vois venir, les viewers. Alors, pas vous, parce que vous êtes intelligents, mais tous ceux qui vont regarder le live en rediff, je n'ai rien contre Lorenzo. Si je ne suis pas d'accord, je le dis, mais je n'ai rien contre lui. Est-ce qu'on s'est compris, bordel de merde? Je suis un peu vulgaire, mais je suis un peu saoulé. Le nombre de débiles que j'ai pris sur la comment là. La rediff, mon Dieu. Tu participerais à la fabrication de machines. Ah ouais, je voudrais faire de tout de A à Z. Salut Mathias. C'est faux, Mathias. C'est faux, tu partirais à 8. Ta bague, c'est une calosse. Non. Bon, on y va? Vous êtes chaud? Vous êtes chaud, vous êtes pas chaud, t'as vu? Anthony Vest, que j'adore, a dit dans sa dernière vidéo que le cardio à jeun n'est pas plus efficace que le cardio non à jeun pour la lipolyse. Je suis totalement d'accord, ça a été prouvé scientifiquement. Plutôt step ou corvette? Step pour aller à ma corvette. Tu participes. J'espère. T'as vu l'affaire Ryan Garcia? Non. Par contre, je suis au courant de l'affaire de Sisimua. Je sais pas si vous avez suivi, les gars, mais là, on tape dans un truc qui va faire très mal. Bonsoir de la Bretagne. Alors, Mathieu, faut qu'on parle. Je suis normand. Qu'est-ce qu'on fait? On se tape dessus? Ouais, elle est dans la sauce de ouf, hein. En fait, pour vous expliquer, il y a un nombre de témoignages. Et quand je dis un nombre de témoignages, c'est un nombre de témoignages incroyables sur la société de Sisimua, des types qui ont discuté, qui ont travaillé par contre, pardon, avec elle, comme quoi c'est un tyran qui respecte absolument rien. Et du coup, tout est visible, tout a été mis comment public, rendu public, et du coup, elle a bloqué tous les commentaires à peu près partout, quoi. Ouais, maltraitance de la société, en gros, ouais, c'est ça.
Ouais, je suis pas choqué non plus, hein, je la voyais bien comme ça. Hein. C'est à peu près comme ça que je la voyais, ça se voit sur elle. Hein. Apparemment, vous aviez même pas le droit de manger le matin parce que si vous preniez un petit déj, vous n'êtes pas efficace au boulot. Ah. Non, t'auras pas le Mont Saint-Michel, il est à moi. Bon, on est parti? Est-ce que nous sommes patchy, oui? Ouais, fake leader. Bah, honnêtement. Ils ont moins de 18 avec Thibaut. Je comprends pas ta question. Il y a quoi à dire sur Lorenzo? C'est le titre du live. On regarde sa vidéo. Ah, je vais vous la partager parce que sinon. Ça n'a pas marché, t'es. Partager l'audio. Alors, le dernier coup, il y avait un bug. Dites-moi tout de suite si vous l'entendez. Ça démarre bien, ça. Est-ce que tout le monde l'entend? C'est good. Bon, c'est un petit peu saccadé pour vous. Je suis désolé, je peux pas faire autrement pour le moment. On va faire ce qu'il faut pour que ce soit cool pour tout le monde. Je regarderai l'affirmatif. Eh ben, bon dicastep. Pierre la victime selon Clara. C'est moi le boss. Allez, c'est parti! So, I do like 25 reps. Not focusing too much on either the stretch or the flex. Bon, alors déjà, il se concentre ni sur la contraction, ni sur l'étirement. Just a way for me to warm up Ah, pardon. quietly. I will do like three or four sets, and the more sets, the more I will focus on the stretch and the flex. But the first one is just like really cool. So. Just a cool start. I am actually not counting this exercise on my effective workout. Like at the end of the workout, if I do five exercises. Ça, c'est très bien, hein, les gars. Je vois énormément de gens. On parle souvent de l'échauffement, mais un truc tout bête, et bonne fois, on en a parlé il n'y en a pas longtemps. Échauffez-vous à la fin sur votre premier exercice. Montez votre charge de travail. Prenez le temps, faites 4, 3, 3, 4, 5 séries, 6 séries s'il faut, s'il y a très lourd, et vous réduisez vos reps à chaque fois. Et c'est un très bon moyen de faire ce qu'il faut. Maître Yoda a détruit sa carrière. Je n'entrerai pas dans ce débat. Salut Akram, ça va, merci. Et toi? This will be five exercises plus this one. Like, just doesn't count. Just a cool way to enter the workout. Alors, si j'ai bien compris, c'est pas son exercice, c'est pas son premier exercice. Eh ben, tant mieux que ça aille bien. C'est pas son premier exercice. Je suis pas fan de l'idée, mais c'est ok, ça reste de l'échauffement. It's actually very light, like 25 kilos. I stretch a little bit more on this one. Non, c'est pas terrible cette machine. Mais pour se chauffer, c'est bien. Ça fait partie des machines de merde qu'on vous vend à Technogym ou vous avez à Fitness Park. Pour s'échauffer, c'est bien. Mais c'est tout. Vous entendez le petit train? Merci.
Bah, ça va, on rigole. I'm supposed to train with this dude. He's talking to a friend right now, but we will train back together today. The guy is a very serious lifter, very strong, much motivated guy. He's quite a passionate. C'est qui, Momo? He really loves bodybuilding. If I manage to film with him, you will notice that. His name is Momo, by the way. Hein? Yeah, parce que tu dis que je suis en train de filmer. Oh putain, c'est quoi? C'est quoi? T'es que je t'ai déjà présenté. C'est un iPhone, non? Non. Bonjour. Non, mais là, je me trouve tranquille, tu vois. 3, 4, 5 séries. C'est un iPhone. Je dis ça, je dis rien, mais il me semble que Lucas Gouy va finir avec un appareil photo le dernier coup. Vraiment pépère, tu vois, fluide, étirement. Frérot, c'est pas grave. Après, moi, tu me pushes un peu, tu vois, et puis voilà. Vas-y. Watch the pump. J'aime bien cet exo parce que, vu que c'est un convergent, tu vois, il permet de bien étirer. Et c'est une façon pour moi, comme je disais là tout à l'heure, de rentrer dans la séance tranquille, tu vois. Allez, claquer cette machine. Mais pour un échauffement, c'est pas mal. This guy is a serious lifter. Actually, he's my training partner. We do not train systematically together, but when we do, we kick ass. Pourquoi il y a un arbre? Ok, moi je suis prêt. Hein? Moi je suis prêt. Moi. I'm actually ready to start the first set. Oh, ça simule une traction. Ça simule une traction. Donc au final, comme c'est convergent vers le haut. Ça étire bien le grand dorsal. Ça étire quand ton grand dorsal, le grand rond, les trapèzes. Quand il sert, il vient chercher un petit peu plus le biceps. Ça échauffe, hein, c'est bien. C'est pas non plus. Il en fait pas. L'arbre de la connaissance. Il en fait pas un exercice principal, donc c'est très bien. Of the first exercise, I don't want to enter the workout. Ah oui, il y a une balle. Directly with my main exercise, even if I do it light. I prefer to do something like that, really cool, warm up a little bit, and then do the first exercise and the first sets, light, easy, and on the progressive, like pyramidal, increasing the weight. Ce sont des choses qu'il connaît, hein. Ce sont des choses qu'il connaît, il a eu l'expérience là-dessus, il le sait. Hein. T'en fais encore une ou pas, toi? Tu me rejoins? So my first exercise would be vertical pull down machine. Just love it. I will do a lot of sets on this one. So I will start pretty light, like plate by plate. I will actually separate. Ah, tu peux pas lui retirer qui sait parler anglais. Il y en a beaucoup qui savent pas s'exprimer en anglais face à la caméra en plus. Donc c'est sûr. Hein. The reps. Like I will not rush into it. Do my reps with the fast rate, with the fast cadence. Just one rep by one rep, in order to really isolate. And focus on the effort, not involving too much biceps, too much rear delts. It's a way for me to stay focused on the lats.
fan de l'exécution, je vous avoue. Bah ouais. Là, on est plus sur du haut du dos qu'autre chose. Hein. Les coudes sont en arrière. Après, c'est peut-être ce qu'il veut, attention. Hein. Les coudes sont en arrière et la charge est devant. Il faudrait que tes coudes soient toujours sous ta charge. De toute façon, c'est un truc que je vous donne tout le temps, que vous poussiez et que vous tirez, toujours avoir les coudes sous la charge. C'est impératif. I will do one more with only one plate. Ce serait mieux, Vivien, ouais. Because Momo will not pull just one plate. He's a really strong motherfucker. Je me souviens plus de sa morpho exactement. But I'm actually not yet into the workout. I'm still kind of warming up. Il a raison là-dessus. Entièrement raison. Okay, no. No, I feel like I'm ready to walk. So the training actually kind of starts now. Before it was just warming up. Il s'échauffe. On va faire pas mal de séries là, c'est l'exo principal. Allez, vas-y, le porte-porte. Il y a encore une plaque, hein. Tu veux faire la première série tranquille? Tu sais quoi, je leur ai dit. Je leur ai dit, il va arriver, il va en mettre une de plus. Ouais, c'est bon. Alors ça, sur le long terme, il y en a un qui va sneaker. Évidemment, ce sera pas Lorenzo. Hein. Non, les deux. Les deux. So we will not walk the same way. I will not... La différence avec une poulie, c'est que la barre, vous pouvez l'emmener là où vous voulez. Là, vous êtes niqué. La barre, elle a qu'une seule trajectoire. C'est le problème. Tell him how to train. He obviously knows how to train. The guy is like 40 years old. I mean, doesn't look like, but he's 40 years old. We're just pushing his other. So, helps me to have a training partner. Il fait pas hyper. So I would just, like I said, isolate my reps. He's not doing the same thing. It's totally up to him. Ouais, il a bien remangé. Hein. Bon, par contre, il y a des choses qui ne trompent pas. Hein. Il a mangé, quoi. Façon, il est plus dans le milieu, donc il fait bien ce qu'il veut. Ouais. Même s'il était dans le milieu, il ferait bien ce qu'il veut aussi. Ouais. Tu vois, il y a trois plaques. So we go up with three plates now. Wait. Il tourne pas à l'eau claire. S'il a envie de faire du body, il fait du body. Ça, on n'a rien contre. Hein. Tout le monde le sait ici. Mais moi, je suis pas à l'eau claire. Alors... When I train with this guy, I have to admit, I train much heavier than if I was alone. But we do not train together all the time. So. It's a good thing to do it. Sometimes. De toute façon, les gars, Technogym, c'est compliqué, hein. C'est compliqué.
Et c'est vrai qu'en venant ici, pardon, au Canada, on se rend compte qu'on est pour le coup très très bien équipé. Alors je parle même pas du pur, mais même les salles en dehors du pur sont très très bien équipées. La plupart sont équipées en Precor ou en Hammer, c'est déjà beaucoup mieux. Alors évidemment, il y a des mauvaises machines, mais chez Technogym, il y a beaucoup de mauvaises machines. But I'm just back in training since. Matrix, ouais, il y a des mauvaises machines, encore une fois, mais je crois qu'il y a quand même moins de mauvaises machines chez Matrix que chez Technogym. Hein. On prend juste la gamme de presse APEC, qui est juste derrière là. Je suis désolé, mais si tu t'appelles Bob Umstead, jamais tu vas foutre tes mains là. Hein. La plupart d'entre vous, vous mettrez vos mains là. Elle est dégueulasse, cette machine. Elle est dégueulasse. Non, j'ai pas pris, j'ai mis Adblock. Months, so. Je suis monté une fois sur les machines de Delavier, mais ouais, je suis pas excessivement fan non plus. Still. Bah le Loro, regarde comment il l'envoie. Bon, déjà, le type le fait mal, mais en plus de ça, regarde comment ça t'envoie super haut. Gradually gaining strength. Y a rien qui va là. Gradually adding weight, increasing the weight of my lift. But the guy is like non-stop, you know? So he's actually much stronger than me. Je dois rester prudent. Même Lorenzo sait ce que c'est que la blessure. Hein, à l'heure où tout le monde nous dit non, la blessure, c'est anecdotique. Et non. Front lat pulldown. Like, it's peanuts for him. But to be honest with you, it actually will start to be really heavy for me. C'est ma gueule. Excuse. Hein? Commence à devenir sérieux là. Ouais. Un petit peu. Ça va, ça tient. Ouais. Allez. Ah, nickel. Deux, nickel. Oh, nickel. 4, nickel. Allez, tire, tire. 5, super. Je conseille les sangles à littéralement tout le monde. Que vous ayez une forte poigne ou non. Dans tous les cas, ça va vous aider. Allez. 1, super. Merci Allez. bien. 2, impeccable. 3, impeccable. Salut Toto. Non, si tu fais référence à ma story, non, c'est ni plus ni moins parce que les machines à adducteurs en France, même ici, remarque, mais moins ici quand même, sont littéralement dégueulasses dans le sens où bah, c'est construit certainement pour les femmes. Et nous, les mecs, on arrive à la charger très très vite, on la max très très vite. Donc en fait, j'essaye de trouver des solutions pour Simon, mais je vais devoir lui retirer cette merde et puis passer sur autre chose. Encore. 4. Allez. 5, super. Non. Non, Isaac. On reste à ce point-là. On rajoute. Moi, je vais en faire une encore. Une comme ça. Hein. Après, je rajoute. Si tu veux. De toute façon, les. Je réponds un peu aux questions. Les sangles classiques ou en 8, c'est toi qui vois, dans tous les cas. Ça revient même. Tu penses quoi des prises Mac pour le dos? Eh ben c'est pas si bien. Ah, c'est vrai, il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur les prises. Parce que les prises Prime, c'est une chose, les prises Mag, c'en est une autre. Et on a encore une autre marque à la salle. Et vous allez voir que Mag, c'est pas si bien. C'est pas si bien. Désengager son pouce, c'est pas si bien que ça. Les points, mec. Ça me bat les couilles, hein. Non, c'est pas ça, c'est que tu mets plus lourd que moi. Ah. Comme je t'ai déjà dit. Ah, ça sert à rien. Toi, faut que tu trouves encore la sensation. Ouais. Tu cherches encore. C'est un peu tôt pour moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en vrai, tu vois, je peux les faire. Bon, travailler la sensation, c'est non. Et quoi?
mais c'est pour négliger la forme. C'est juste que je sais que je peux progresser avec 3. Bien sûr. Je vais progresser avec 4. Mais là, c'est le plus important. Et là, j'ai des... Là, il y a de l'expérience. Parce que quand il dit je peux progresser avec 3 plutôt qu'avec 4, il le sait. Parce que dans sa tête, il sait qu'il peut améliorer sa connexion et forcément son recrutement. Mais ça, ça c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Hein. Il n'y a que l'expérience qui parle là. C'est super sensation avec 3. Ah, ouais, c'est ça. When we talk French, I will put the subtitles in English. And when I talk English, I will put the, les sous-titres en français. Allez, mec. Actually, he doesn't give a shit. He has the headphone on. He doesn't even hear me. Il n'y a plus rien sur le grand dorsal, là. Tout est dans l'arrière d'épaule, les biceps, prise suicide. Dommage. Il allait arrêter en plus, cette personne. Hey. Bien. He's a monster. Je vais mettre les straps. T'en as fait combien là? 15? Hein? T'en as fait 15 au moins? Non, 13. 13. Allez, c'est un peu trop triché. Hein. On est ensemble, c'est là. On va dessus. Allez, frérot, allez. Allez, t'es gentil, les mecs. Ok, là. Ouais. Ah. Ça, je vous le dis tout le temps, les gars, mais ça, le coude est trop ouvert. Vous perdez de la force en faisant ça. Vous perdez de la tension ici. C'est dommage aussi. Mettez votre main toujours dans l'axe de votre coude. Votre avant-bras doit toujours être perpendiculaire au sol. Pas plus, pas moins. Super, allez. 8, encore. Après, il ne faut pas oublier qu'il a une grosse mémoire musculaire, garçon. Ça va bien marcher quand même. Ne pas arracher. Moi, je ne suis pas dans le rouge encore. Ah. Je avec peux plaisir, faire plus, mais ça suffit. Plus, non, il veut. Pas grave, t'inquiète. C'est un iPhone de bodybuilder. Vas-y, défonce-le, défonce-le. Vas-y, tu mets 4. Tiens, tu veux mettre des poids de 10? Oh, on est filmé, frérot. Moi, je leur ai dit que t'étais un monstre. Et toi, tu veux mettre... Tu peux trop avancer, alors. Et toi, tu veux mettre des poids de 10? T'es un ouf. Tu viens d'aller finir ou pas? Ouais. 8, c'est bien 8. J'entends rien. Je sais. J'entends rien, pas. Qu'est-ce que tu entends par tirage semi-vertical? Ok. Bon, vas-y. Vous voyez ça, ça à coacher, c'est difficile parce que cet homme-là, il a l'habitude de mettre lourd et il s'imagine qu'en mettant moins lourd, il va faire moins de viande. Mais là, pour lui faire comprendre ça, enfin, c'est pas qu'il va pas le comprendre, c'est juste que dans sa tête et dans son ego, ce qui est normal, il faut juste l'accepter. Et ça, c'est difficile. Quand j'ai des clients comme ça, où je leur dis décharge, 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 parfois, ils me font des vidéos, mais il n'y a rien de déchargé du tout, mais ça ne change rien. Le mouvement est toujours moche, moche. Et si vous êtes coach, je vous le dis, vous allez avoir affaire à ce genre de cas de figure parfois.
Hammer, ça peut être bien, mais pas partout. Hein. Encore une fois, il doit avoir de la congestion sur le dos. Hein. C'est comme pour Kenza Farah, c'est la même chose. Il y a de l'étirement. Hein. Il y a de l'étirement, ça amène du sang. Par contre, est-ce qu'il a travaillé correctement? J'en doute. It's crazy. Je m'aide pas du tout en fait. Ah, ok. Là, deux, super. Trois, encore. Quatre, magnifique. C'est déjà un peu plus joli quand même. Cinq, super. Allez. Six, encore. Sept, encore. Ok. Regardez. Quand vous voyez les grands ronds qui sortent comme ça et qu'ici il y a un creux, vous pouvez être sûr que les épaules sont tournées vers l'avant. Et là, pour travailler le dos, c'est compliqué. Hein. Tu gères le poids, moi ça me va. Si tu veux mettre... Ce qui n'est pas du tout le cas de Lorenzo. Plus on met plus. Non, c'est comme ça. So, four plates is enough. Je disais. C'est un peu gros quand même. Je sais pas pourquoi il reste une seconde en haut. Je ne sais pas. Je te mets de la descente tout le monde. Comment ça passe 5 kilos hein. Ok. Ouais. Dernière. Ok. Vous avez pas besoin de moi. Hein. Allez, c'est bon. Super. Deux, super. Allez. Super, encore. Ouais, c'est un morceau. 4, super, allez. 5, super, allez, 3. Et 1, super, allez. 2, super, allez. C'est un bœuf hein, avant. Magnifique, propre. Je répondrai aux questions après, les gars. On va prendre la barre. Ça critique. Putain, ça critique. T'as encore tombé sur un as. Je critique pas, bordel de merde. Ah, mais les poignets neutres. C'est un constat, il y a les grands ronds qui sont hauts. Il y a les grands ronds qui sont hauts. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, ok. La large. Ah bon, ah, bon. Pour moi. Ouais, mais c'est pas la même chose, toi. Voilà, elle est où, là? Déjà, on va mettre moins lourd que là-bas. Ouais. Prise large, moi, je sens souvent tête sur les postérieurs. Oh, c'est le but. C'est le but, ah, c'est pour ça. So after the first vertical exercise, sometimes I do this one as my main, sometimes the machine. So this one being in second position, we will go lighter and with more reps. I actually like this one because it works the rear delt as well. And you never. Pas de haine, les gars, s'il vous plaît. Pas de haine. Regarde un truc, c'est, ça reste du sport. Pas de haine. Allez. Ah, c'est pas du tout la même technique pour Lorenzo que pour Momo. Là, on est vraiment sur un mouvement de haut du dos. Vous allez voir la différence avec son ami. Allez. Tel qu'il fait, en fait, faudrait que son ami le fasse. Ce serait un très bon exercice pour son ami. Ça lui remettrait les épaules en place. Clara, tu me kicks les connards, s'il te plaît. This is actually when I was younger. That was one of my favorite exercises. I would prefer to have a wider bar. We only have this one here. The gym is cool, but un plus large, ça aurait pas été mieux. C'est là qu'on voit que c'est l'ancien body d'il y a 10 ans déjà.
Là, c'était très bien comme ça pour lui. Lacking some little things. But it's not that big of a deal. But when I was younger. Mon son ou le son de la vidéo? I actually beat my back with this exercise. Deadlift and chins up. But that's really one of my all-time favorites. Je veux voir la différence avec ton ami. Je vais laisser ce poids-là pour faire les 15 reps. C'est parfait. C'est parfait. So it's actually pretty much lighter than what we did on the previous exercise. But the feeling is great. So even Momo wants to stay at this weight. Well, actually, il y a combien, Momo? 70. 70. But you know, cable walk, that's not really 70, but kilograms, by the way. Je ferai mes réglages le prochain coup, les gars, parce que sinon, ça va être la merde et je vais faire n'importe quoi. Je vais couper mon son carrément. Voilà. Regardez bien. C'est littéralement le même exercice qu'il a fait tout à l'heure. C'est juste qu'il est en prise neutre. Mais le grand dorsal n'est pas attaché au poignet. Donc ça ne change rien pour lui. C'est dommage. Il fait deux fois le même exo là. So I will go for 15 reps on this one. Ouais, c'est pas du tout la même exécution. Ah, merci Louis. Super. Allez. Nickel. 2. Super. 3. J'avance un peu. I'm still very careful with what I do in the gym because I don't want to go too fast. I don't want to injure myself now. I feel like I'm stronger. Like I could train harder, but it's not like necessary yet. I will eventually reach the point where it's absolutely necessary. But right now, 75% of this. 15 séries en deux exos. Non, il y avait pas toutes les séries qui étaient effectives. Il faut bien le prendre en compte. Au final, ils en ont fait deux ou trois. Will be enough. But I feel great. I mean, I'm not complaining. I'm following the flow, following the energy of this guy. I love it. The guy is such a passionate. It's a pleasure to train with him. I did not have much training partners in my life, but I'm definitely enjoying the thing. Daniel? Ouais, c'est toi. Alors, on voit bien les épaules en avant, c'est dommage. C'est toi qui parce que le physique a l'air d'être super bon. Commencé. Ouais, c'est moi qui ai commencé. Allez, pas. Je fais à moins de rep là. Ouais, la balle, elle est pas mal. Là. Je sais pas ce qu'il a au visage. Il a Pinky Green. Allez. D'ailleurs, j'ai pensé à lui il y a quelques jours parce que je me souviens de l'avoir entendu dire qu'il était fan de Frank McGrath. Et Frank s'est entraîné à côté de moi, je crois, la semaine dernière. Et je me disais, putain, il était fan de ce type-là. En fait, il est juste à côté de moi. La vie est bizarre parfois. Super. 2. Super. 4. Encore. 5. Nickel.
Ah, le bâtard, je vais le niquer. Où est l'actastone? Ça c'était propre. Ça. Franchement, si j'en faisais plus, avant-bras. Eh ouais, avant-bras, du coup, avant-bras. Semble. Problème réglé. Ouais. Je sais pas si je vais vous montrer. Je vous avoue que je prends une vague d'amour. Ça fait super plaisir pour la Corvette. Mais je sais pas comment est la communauté YouTube. Je sais pas trop. On verra bien. Mon avant-bras, il lâche avant mon dorsal. Ah, ça fait cher. Ouais. Ouais. Bah, j'aimerais bien faire le rowing. Là. So, back to the basics. We're doing some rowing. Row on the Smith machine. Again, one of my all-time favorites. You've seen. Ça, c'est en fait. Les deux exos qu'il vient de faire, les gars, ça vous construit un haut du dos comme Jaja. Par contre, vous n'aurez pas de grand dorsale. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais do it a lot. 3 secondes 5, la Corvette de 0 à 100. Doing my videos back in the days. So we do one plate by one plate. Let's hope that we do 4 plates for the heaviest set. Vous avez vu, c'est pas le même mouvement, la taille des bras est beaucoup plus courte chez Lorenzo. Je suis sûr même, on fout un test EMG chez Lorenzo, il est capable de serrer son grand dorsal bien plus fort que son ami, ce qui serait à peu près normal. Ouais, c'est un très bon exo pour le haut du dos. C'est ce qu'on appelle un mass builder. Vous pourrez mettre lourd. Ce ne sera pas forcément très beau, mais au moins sur le haut du dos, voilà, ça va vous construire de la viande, ça. Ah, commence pas. Eh bien, direct. Si, si. Commence pas. Vas-y, c'est 4 proches pour l'échauffement, genre, pour au moins. Ouais, c'est un exercice trapèze. Merci. T'es un ouf. Ah, c'était pour ressentir encore un peu le mouvement, tu vois. Des boîtes 10. Ah, ça m'arrive de les prendre. Hein, et pourquoi pas des boîtes 5? Voilà, alors c'est très là. Alors ça, même si c'est drôle, n'écoutez pas ça. Au contraire, les gars, chargez vos barres, même si vous rajoutez 1-2 kilos parfois, ça suffit pour faire une surcharge progressive, intelligente, avec de bons acquis. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas parce que votre copain va vous dire « Rajoute une plaque de 10, rajoute une plaque de 20 », c'est 100 fois trop. 100 fois trop. Bon, là, c'est une montée de gamme, on s'entend, mais parfois, j'entends ça aussi en salle. Voilà, prenez ça en compte. S'il y a un type qui, si vous êtes à fond et qu'ils vous disent, enfin les gars vous disent, allez, on rajoute 10 de chaque côté, oublie l'idée de les faire. Ça va pas marcher. What I love with this exercise is the fact that. Bah, s'incliner beaucoup plus, oui, mais est-ce que c'est ce qu'ils cherchent? Pas forcément. Ça peut être très bien un exercice de trapèze pur. Do it. Quitte à mettre ultra lourd et que ça finisse en shrug, hein, ce serait pas déconnant. Wow. I am not on perpetual tension in the lower back. It's like 1 second, boom. 1 second, boom. You are preserving your lower back with this technique. And besides the security standpoint, it's also a way to not hypertrophy your waist. C'est des conneries. Or the thickness from the side. Honnêtement, les gars, si votre paroi abdominale s'épaissit, elle va pas s'épaissir de 2 cm. Là, il n'y a que produits, insuline, plus GH qui vont vous faire. Mais c'est tout. Hein. Donc, si vous voulez faire du terre,
et que vous avez peur pour votre taille, ça ne changera rien. Votre taille, elle est faite, elle est liée à la hauteur de, à la largeur de votre bassin. Donc, si vous avez une petite taille de base, vous aurez toujours une petite taille de base. Ouais, mais si ça finit en shrug, c'est pas très grave. Ça peut être intéressant. Ça reste du sport, hein. Ça reste du, de la musculation. À un moment donné, il faut y aller. Il va falloir envoyer quoi qu'il arrive. Non, là, les grands dorsaux, vous oubliez. Ouais. Je sais pas si vous remarquez, mais il sert bien plus les omoplates que son ami. C'est pas des demi-reps. Hein. Il a pas les bras du tout aussi longs que son ami. Hein. Et pour moi, c'est beaucoup plus proche que chez Lorraine. Mais... C'est facile, hein. Je pense. Bah, c'est facile. Normal, c'est facile. I'm not using a bell, a belt, because we are doing it raw. If I was doing it on perpetual tension, like not posing the bar at each rep, I would wear a belt. But for me, this is the point. You don't need a belt doing that. So we are working on, I mean, I am targeting like 6 or 8 reps. You never know with him. Maybe he will just go crazy and do 10. Vous vous souvenez, je sais plus si je vous l'ai dit, mais enfin, si vous vous souvenez, pardon, je vous l'ai dit dans une vidéo YouTube que bien souvent vous vous retrouvez avec des trapèzes supérieurs énormes et puis trapèzes inférieurs moyens, il n'y a plus rien. Bah, c'est à cause de ce genre de mouvement que vous faites mal pour le coup. Si vous serrez mal les omoplates, vous vous retrouvez avec des gros trapèzes et puis vous n'avez pas d'épaisseur de dos. Quelle est la part d'entraînement VS produit pour des gens comme le réseau? Est-ce que peu importe son entraînement, il prend tranquille, s'entraîne dur? Non. Non, ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas aussi simple. Alors, vous gueulez sur le fait que ça bouge. Mais en fait, c'est juste qu'il y a trop lourd pour lui. Donc, il retient beaucoup moins la charge que Lorenzo. Combien t'en as fait? T'en as fait combien? 10. T'en as fait 10. Tu penses quoi des vidéos de Kylian Hagen? Alors je leur dis sur ce live, je n'apprécie absolument pas ce personnage. Il est imbu de sa personne, parle de ce qu'il ne connaît pas, quand il parle de produits, il parle de ce qu'il ne connaît pas. Le reste, j'ai aucun souci avec ça. Mais dès qu'il ouvre sa bouche sur les produits, je le dis là sur le live, vaut mieux qu'il ferme sa gueule pour le coup. What did I just say? The guy is just a monster. Il y a plus d'eau. Alors, fais-moi celle-là. Mais c'est bien. Allah bien. Mohamed Kon. Ouais, la technique pour retirer une ceinture. Je vous la remets pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un risque à faire. Alors, fais-moi celle-là. Mais c'est bien. Pour la desserrer. Allah bien. Mohamed Coleman. Et là, il y en a plein qui disent oh bordel. Ça dure, hein. Ouais. Momo Coleman.
T'as la sensation, zinc. Après, le but, c'est de pas trop bouger le buste aussi, hein. Bah, c'est dur, hein. Moi, je ramène un peu, genre. Je ramène. Voilà, tu ramènes vers l'avant pour non. bien aller engager. En fait, je sens la poitrine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour venir taper dans le. Bien, bien. Dans la hanche. Ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Là, j'ai rien compris. Faut rewinguer, quoi. Est-ce que depuis que tu es arrivé au Canada, tu as changé d'avis sur certains points ou certaines personnes? Oh oui, j'ai perdu beaucoup d'amis. Là, ça y est, T'es une machine. T'aurais voulu faire exprès? T'as kiffé, hein? Toi, t'es un vieux singe, mais je peux t'apprendre des grimaces. Hein. Allez. C'est pas un mongol, les gars. C'est pas un mongol. C'est juste que on lui a pas dit. En attendant, regarde, il y a du quad. Ah bah, vache. Je... Alors, c'est pas la barre, hein. C'est l'orientation de tes coudes qui va faire que soit tu vas taper dans les dorsaux ou pas. Ouais, voilà, ils sont très lourds. S'ils kiffent, tant mieux. Ça reste du sport. Est-ce que c'est optimal? Non, ça reste du sport. Oh, j'avoue, elle a piqué celle-là. Oh, vache. Tu sais qu'en plus, à la caméra, je leur ai dit, ouais, je vais en faire 6. Et juste avant que tu fasses ta série, j'ai fait, lui, c'est un déglingo. Il va en faire 10, vous allez voir. Il en a fait 10. Et il m'en a fait faire 10. C'est bon, ça, hein, c'est ça, l'avantage. Quelqu'un d'autre, il en aurait fait 5, on aurait fait 4. That's exactly what I said. This guy. Make. Ouais, l'hyperlordose a certaines influences, ouais. J'en parlerai plus tard. Me, train harder. That's what I love. And that's why I wanted to have him, to have this training with him for like... Problème de là, c'est que là, on a 3 exos, 2 exos du haut du dos. Le premier est censé être a priori pour le grand dorsal dans la tête des gens, mais c'est un exercice de trapèze avant tout. Donc encore du haut du dos. Comeback vidéo. Après c'est peut-être que tu cherches. I train hard when I'm alone as well. But having him around is just a different energy. I am afraid that he does the same thing and that I have to do the same thing. I'm kind of fucked up now. Ah, après, je ferai une question, des questions-réponses. Putain, il y a une mouche. Casse-toi la mouche. Après, je fais une question-réponse et puis après, je retournerai bosser, les gars. He's so motivating. Fucking warrior. I'm really happy that I've met this dude. Non, ça se corrige pas. Génétique. Pourquoi ils ne s'entraînent plus ensemble avec Jojo Roche? Oh, il y a longtemps qu'ils ne s'entraînent plus ensemble. Je crois même qu'ils ne sont plus amis. Moi, je comptais 7 même. Non. T'as conscience que t'es un déglingo quand même. Et 15 heures. T'as la conscience. Tu te lèves pas le matin en disant oui, je suis normal. Je raconte des conneries, il est 16 heures. This guy is crazy. J'avance un peu. But that's. I've been far, far, far away this kind of intensity in my life for so long that
I'm happy. Ah, fuck. I'm happy and proud to be able to do it again. But at the same time, I'm like, what the fuck am I doing? I don't know if you get the point, but I really feel strange right now. Les entraînements cyclés, c'est fini ça. 3 semaines de volume, 2 semaines de force, 3 semaines de volume, tout ça c'est fini. Hein. Ça ne sert à rien. Bon bah là c'est dommage. Bon la prise supination, il peut pas faire autrement. Mais du coup, quitte à le faire, autant se mettre sous les mettre assez lourd. Mais au moins, l'épaule est basse, les pecs sont sortis. C'est un pur mouvement de Van der Fan. Mais bon, t'attrapes ça des bouts des doigts, tu vois. Avec un peu lourd. C'est bien, hein. Enfin, le mouvement est bon. C'est dommage que... Ah, la fin, non, il descend trop bas, mais... Ouais. Ah, la poulie est peut-être prise, hein. Ouais. C'est bon. Ça, c'est dommage, hein. C'est vrai qu'à la poulie, ça aurait été mieux. Some stretching movements always. Ah, pullover, pec ou grand dorsal? Pullover, dumbbell pullover is one of my favorites, but I could as well do some supinated vertical pull downs. Some ne variez pas vos exercices, vous le savez ça. Hein. Une unilatérale with the... Putain, j'ai même pas le mot en anglais, frère. Je suis cassé là. One-handed cable pull down. Anything that will give me a good stretch at the end of the workout is generally how I finish the workout. So today is a pullover, but it's not. Ça c'est une erreur. Hein. Not necessarily the case on all the workouts, and actually nothing crazy on the pullover. Like I just go down. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Il y en a qui sentiront les pecs si t'avais une cage relativement plate, ça va t'étirer facilement les pecs. Si c'est pas le cas, tu vas peut-être sentir beaucoup plus tes dorsaux. Il y en a qui vont sentir les triceps. Vraiment propre à chacun. Hein. Non, ça c'est ça c'est des conneries, hein, François. My elbows are pointing towards. Je pense qu'on fera la semaine prochaine, les gars. Because on the side would be some chest pullover. J'ai peut-être envie de vous faire aussi un live carrément sur le tableau. Et vous me posiez toutes vos questions, et quand j'ai quelque chose de technique à vous expliquer, ben je vous explique sur le tableau. Stretching at least. So in order to stretch my lats, I make sure that... Ouais, techniquement, on finit sur de la contraction, pas sur l'étirement, ouais. But my elbows are pointing on the roof. And I just go down, and just when I get the stretching, I go up. Nothing complicated. It's just stretching with weights, basically. T'as kiffé la séance? Ouais. Ça me change en fait, tu vois. Ça me change. That was a very good workout. So, what I can tell you is, I will do this on a regular basis. Sometimes with Momo, most of the time alone. Momo, il a une queue qui dégueule, hein. But you can be sure, there will be another video next week, and the week after.
and the week after. So let's make a deal, guys. If it's not the case, unsubscribe. If I do it, tell somebody to subscribe. Abonné. I'm out. J'avais failli arrêter le live. Je me suis trompé de bouton. Bon, c'était pas fameux, hein, évidemment, ne reproduisez pas ça. On s'en fout qu'il soit natif ou pas. On a un Nesquik. Bon, on se fait un petit peu de questions et puis après, je retourne de bosser. Profitez-en. Ça a-t-il possible de faire des analyses morpho dans tes lives? Non. Je vous ai déjà donné beaucoup de clés, mais il faut que je mange. Donc je ne peux pas donner des connaissances comme ça gratuitement non plus. Surtout que je serais capable de faire une heure sur les épaules, par exemple. Ce ne sera pas du tout un problème. Je pense quoi du heavy duty? C'est pas pour tout le monde. J'ai le même avis que Samuel, hein, il me semble qu'il dit la même chose que moi. Sur un avancé, oui. Sur un débutant, pas du tout. Non, on parle pas chimie ici. On s'en bat les couilles, la chimie. On parle training. Si on en est là, c'est qu'on fait pas plus ça. Pas compris. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur la diète? Non, parce que la diète, c'est pareil, il y a... Je pense que je resterai toujours training parce que la diète, il y en a une chier sur la diète. Des grands ronds en retard, je demande à voir. Ça veut dire que tu aurais plus de dorsaux que grands ronds. C'est quoi comme vidéo dimanche? On sait que le bon nombre de séries pour les pecs, c'est entre 8 et 12 en général. Est-ce que si on s'entraîne les pecs deux fois par semaine, on peut monter à plus de 12 séries ou non? Ça dépendra de ton niveau, de tes exercices, de ton nerveux. C'est plus compliqué que ça. C'est... Que penses-tu de la méthode la fée en elle-même? C'est bien pour les débutants. Le book que tu vends sur la net, est-ce qu'il permet d'analyser au lieu d'adapter les exos? Oui, il permet de t'analyser. Après, est-ce que tu sauras tous les exercices qui seront faits pour toi? Non. Sinon, ce serait un bouquin épais comme ça. Tu pourras réac au Corona Gym ou au SRAM Mike. Ah, Mike, ok. Ouais, on pourra faire ça aussi. Pourra faire ça. M'annonce-nous une exclue. Ouais, je pense que je vais vous montrer la voiture. Si vous voulez voir la voiture, je vous montrerai la voiture. Coach Louvar, non, je connais pas. On en a déjà parlé, mais je connais pas. Il y a une putain de mouche. J'ai la fenêtre ouverte, les gars. On est au mois de mars. J'arrive toujours pas à m'enlever de la tête l'épaule jetée de Nassim en finisher arrière d'épaule. Bon, il a pas dit que c'était pour l'arrière d'épaule, mais... Des conseils pour désactiver ses pecs ou pullover poulie. Mais change d'exo. Si tu sens que tes pecs, change d'exo, simplement. La méthode SST by Tudor, qui peut en profiter? Je suis très peu renseigné sur cette méthode. Donc je ne pourrais pas t'en dire plus. Il faudrait que je prenne 3 ou 4 heures de consultation avec Nicolas Biou. C'est toujours complet. Non. Je vais ouvrir des places, les gars. Je vous le dis là, d'ailleurs. Je vais ouvrir des places. Donc, si vous voulez qu'on discute, qu'on travaille ensemble, surtout. Mais je vous le dis tout de suite, je ne prends pas de débutants. Donc, minimum 50 trainings non-stop. À quand un live avec de la vieille Gundib? Ça va arriver. Ça prend son temps, mais ça va arriver. Atlantis, c'est du bon matériel. Oui, bien sûr. Tes objectifs avant 2025?
m'acheter une maison. Non, avant 2025, ah, je peux pas vous le dire. Je peux pas. C'est en construction, je peux pas vous le dire. Tu as dit une fois que le leg extension n'est pas top pour faire de la viande qu'on pas de gros exercices. Tu peux expliquer pourquoi? Bah, c'est simple, c'est un exercice à forte tension de contraction. Alors que la presse ou squat, c'est une forte tension d'étirement. Donc ça te donne plus de gains, tout simplement. Le piège n'a pas fonctionné. Bon, les copains, je vous laisse. Putain. Je prends... Oula, alors si tu viens avec moi juste pour la chimie, tu peux oublier l'idée. Parce que le plus souvent, si tu es sous chimie, ce sera prise de sang, grosse discussion, etc., etc. Mais oui, mon coaching est ouvert. Je vous le dis, vous êtes les premiers à le savoir. Mon coaching est ouvert. Sur ce, je vous fais des bisous, les gars. Bonne soirée. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Et puis, on se voit la semaine pro. D'abord, on se voit dimanche. La semaine prochaine, je pense qu'on se verra lundi. On se verra lundi. C'est ton max au bench press. Non, on ne m'a pas posé cette question depuis 10 ans. J'en sais rien du tout. Et puis, live lundi. Par contre, la semaine de Colmar, il n'y aura pas de vidéo YouTube. Et puis, on reprendra juste après. Elle est jaune fluo, ma Corvette. Allez, bisous les gars. Merci d'être venus.